Si ça a été rendu. Je voulais remercier mes avocats, les gens qui m'ont soutenu dans toute la France, notamment les Bretons, qui sont là en force. Et j'oublierai pas. C'est un grand ordre pour prendre les yeux. La liberté d'expression, madame. Allez voir mon père qui repose en paix. On peut se reconstruire avant. J'espère, en tout cas, je pense à l'avenir. J'espère que je pourrai aller de l'avant après mon acquittement. Est-ce que ça a été une épreuve, ce procès de l'amour pour vous? Quand même, trois semaines, j'ai été en trois semaines. Et je pense que mon père est fier de moi, de là où il me regarde. Je sais qu'il était à mes côtés pendant ce moment-là. J'ai beaucoup pensé à lui, à ma famille et aux gens qui m'ont soutenu. Il vous a donné de la force. Lui qui lui aussi a été innocent. Lui et tous les gens qui m'ont soutenu. Il m'a donné de la force et il ne me dirait pas. Je garderai un bon souvenir de la corde à 6 de Rennes. C'est aussi une victime. Mais nous aussi, on est des victimes, les acquittés du pro. Et je voudrais dire que j'ai eu un bon président, un bon procureur, ils ont tout compris. Ils ont dit la vérité. Et ça m'a touché. Vous voulez pas rouvrir la boîte à Pandore ? Moi et mon frère, on est innocents. Daniel, est-ce que Outreau est derrière vous ? Attends, je vais juste avant. Est-ce que Outreau, cette affaire-là, est-ce que c'est vraiment derrière vous ? L'innocence de Daniel est très en danger. Merci. Bien.